Correspond plus ou moins. Alors les Français en général connaissent très peu de choses de la Géorgie. Je pense que peu y vont, d'ailleurs il y a peu de vols. En fait, il n'y a même pas de vols tous les jours entre la France et la... On a vaguement entendu parler de la Géorgie il y a quelques années avec la Russie et Sarkozy avait fait quelque chose. Mais à l'époque, comme la plupart des Français, j'avais rien compris. Bon, je vous demanderai pas de m'expliquer tout de suite parce que je pense dans une carte pour que ce soit bien clair. Donc ce que j'attends, c'est d'essayer de comprendre pourquoi vous aimez le livre. Bon, j'aimerais bien trouver un point commun entre les pays qui m'aiment bien, mais jusqu'après, c'est comme je n'ai trouvé aucun. Ben, certainement, j'en saurais plus sur la Géorgie en partant, il n'y a aucun doute. Je pars presque de zéro, que je ne sais même pas si vous êtes très agricole ou pas. Je suppose que oui, quand même. Bon, par ailleurs, je dois reconnaître que le Caucase intrigue aussi. Parce que c'est des montagnes aussi hautes, enfin plus hautes que les Alpes même, et personne n'y va jamais. Enfin,